objet antique. Pratiquement une légende. Nul ne sait si elle existe vraiment. Il est écrit dans la grande encyclopédie du jeu vidéo que la Game Boy est capable de procurer un pouvoir immense à quiconque la possède. Vous devez la retrouver. Voici l'univers des justiciers de Valhalla. Ils partent à la recherche du trésor caché de Valhalla. Quelque part dans l'univers flotte une immense station spatiale. Et comme tous les soirs, dans la Green Zone, une salle d'arcade située dans un quartier reculé, Frédéric se bourre méchamment la gueule après une journée de dur labeur. Resserre-moi une bière, Sonny. Que dalle, je t'ai vu faire la sieste et c'est tout, pauvre naze. Tu vas faire le boulot pour lequel je te paie maintenant. Mais tu me payes même pas, de toute façon. Si je te paie pas, c'est parce que tu dépenses tout ce que je te donne en boisson. Et ça, je me poche 30 pas. Bah, tu sais quoi? Tu vas me prendre un seau et pour une fois, tu vas me nettoyer les bandes d'arcade. On a une grande invitée qui arrive dans quelques minutes et je veux que ce soit nickel ici. Qui ça peut lui foutre? Oh. Eh, c'est toujours crade, de toute façon, ici. Ouais, eh ben, on se demande bien à qui la faute. Et pour la peine, tu vas commencer par la bande Norod. Oh non. Oh, tout n'est pas Norod. Eh, tu sais, t'es comme une mère pour moi. Les mères, elles sont pas cruelles avec leurs gosses. Ouais, c'est ça, ouais, je suis ta mère. Allez, bouge ton cul. Eh oui, car Frédéric était le plus grand champion de jeux vidéo d'arcade de Valhalla. Aucun joueur ne lui arrivait à la cheville et aucun jeu ne lui résistait. Sauf un. No Road But Space for Super Fast and Furious Pilots 4, The Danger Zone, Director's Cut, Arcade Edition. Le jeu qui a provoqué sa chute. Il y a dépensé tout ce qu'il possédait. C'est qui son invité d'abord? Jessica Toki. Elle devrait pas tarder, alors dépêche-toi. Une star de la K-pop? Oui, la star de la K-pop. Non, mais c'est pas possible, Frédéric. Je te dis une fois, deux fois, tu piges pas. Maintenant, tu vas aller mastiquer ces joysticks tout de suite. Ça va. Eh ben, je vais laver ta borne à la con, puisque c'est comme ça. Et c'est ainsi que commence la grande aventure de Frédéric, le héros de Valhalla. Pouvez-vous dire à tous les Valhalla qui nous écoutent quelle est la clé de votre magnificence et de votre délicate grandeur qui rend absolument tout le monde analphabète et béat? Eh bien, voyez-vous, Dominique, je pense que c'est parce que j'ai toujours su rester naturelle et épanouie. Eh oui, Jessica Toki n'est autre que la plus grande star de tout Valhalla. À ses 6 ans, elle enregistre déjà son premier single, « Do You Really Want to Hurt Me ?». À 14 ans, elle lance sa ligne de parfum Coco Toki et devient millionnaire. À 16 ans, elle est ceinture noire de Kung Fu. Aujourd'hui, elle a érigé la K-pop au sommet du Billboard et en a fait la musique la plus écoutée de Valhalla. Si bien que tout le monde a déjà siffloté une de ses chansons sous la douche ou dans l'ascenseur. Eh oui, c'est moi. C'est moi. Et moi, je suis la plus belle fille du quartier, je suis totalement une princesse, et je vous pisse dans la bouche! Oh là là, mais c'est qui ce lourdeau? Pardon, mademoiselle Toki, c'est juste un client qui a un petit peu trop bu. Je vais le sortir tout de suite. Mais c'est même pas vrai! Moi, je bosse ici, moi, madame! Et je parie que t'as juste voulu remuer ton petit cul chez nous pour enfin te faire des... Ferme-la et tire-toi! Hé, j'ai un cadeau pour toi, la starlette. Un bon gros saut de flotte pour te rafraîchir. Allez, viens. Alors là, t'as tout gagné. Ben, vas-y. Ramène-toi, hein. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hey. Réveille-toi! Allez debout, bordel! Mais quoi? Bonjour, petite fleur! On a bien dormi? Harvey! Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, oh, puis j'ai mal au crâne, putain! Je te rappelle qu'on fait pas hôtel au commissariat. Merde, Harvey! Explique-moi! Je
me souviens de rien. Il rencontre la plus grande star de tout Valhalla, l'insulte et il se souvient de rien. Ah bah bravo mon grand. Quand je pense qu'on a été coéquipiers, t'es descendu bien bas. Et dis donc, vous vous connaissez en fait? Toi, le prisonnier fonction, ta gueule! Ouais, mais vous vous connaissez ou pas? Si on se connaît! C'est moi qui lui ai tout appris à ce gamin! Oh non, pas un flashback! Ouais, ouais, c'était il y a quelques années. J'étais un policier fringant et Frédéric venait d'avoir son badge. Oh, un idéaliste à l'époque. Le commissaire lui avait donné comme mission de faire tomber la mafia Strangozzi. Pire! C'est que ce petit con était plutôt bon. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il dépensait toute sa thune en jeux vidéo. Et quand on a analysé son dossier, pas une preuve qui tient la route. Ouais, il a passé des mois à se moquer de nous et à tomber au fond du trou aux frais du contribuable. Après, il a commencé à se pochetronner et le voilà devant vous. Tu sais vraiment pas raconter d'histoire, en fait. On t'a pas demandé ton avis, toi. Ouais, mais moi, j'aime bien. Bon, bah, vous me saoulez tous les deux. Allez, ramène-toi, Fred. Y'a quelqu'un qui veut te voir. On va faire le tapin dans les grands magasins. Non, ça va, mon chou. J'étais juste là pour acheter des meubles chez Yeka. Tu vas passer un petit moment. Allez, rentre là-dedans, ta copine t'attend. Hein, mais j'ai pas de copine. Le contraire m'aurait étonné. Jessica Toki ? Eh oui, c'est moi. Deux nouvelles formes de vie détectées, mon lapin. Chut, Vanina, c'est pas le moment. Ok, mon chou. C'est votre montre qui cause comme ça ? Ouais. J'ai fait installer l'intelligence artificielle de Valhalla là-dessus et depuis elle me pourrit la vie. Bref. Bien, mademoiselle Toki, on m'a fait savoir que vous ne comptiez pas porter plainte. Le petit le mérite pourtant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Mon objectif depuis le début a été d'entrer en contact avec Frédéric. J'espérais juste le faire plus discrètement. Mais il lui a pas fallu 30 secondes pour tout gâcher. Mais pourquoi vous vouliez me rencontrer ? Parce que vous êtes le seul flic. Ex-flic. Pardon, le seul ex-flic de la station à s'être approché de la mafia Strangozzi. Et il se trouve qu'elle possède quelque chose que je recherche. Ah ouais ? Et on peut savoir ce que c'est ? La Game Boy. La seule et unique qui existe sur Valhalla. La quoi ? La Game Boy ? C'est un objet antique, pratiquement une légende. Nul ne sait si elle existe vraiment. Des conneries, tout ça. Je me fiche de ce que vous pensez. Je la cherche, c'est tout. Et j'ai une piste qui m'indique que celui qui la possède est Giovanni Paolo Strangozzi. Ouais, bah moi j'ai pas le temps de courir après des légendes, hein. Je savais que vous refuseriez. Alors j'ai fait jouer mes contacts. Et j'ai trouvé ça. Faites voir. Une feuille à moitié brûlée. Ça vous dit quelque chose ? C'est un extrait du dossier de Frédéric, je le reconnais. Mais ça raconte pas la même chose. T'as une explication ? Ouais, je suis tellement naze comme flic que je suis pas foutu de me souvenir de ce que j'ai écrit. Votre dossier a été bidonné. Et ceci en est la preuve. C'est totalement insuffisant. Peut-être. Écoutez, Frédéric. Vous avez une occasion en or de vous refaire, de retrouver votre dignité et de prouver au monde que vous étiez vraiment le meilleur flic de Valhalla. Acceptez de m'accompagner. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. Jamais il ferait une chose. C'est d'accord. Hein ? Ouais, je vais le faire. Yes, merci. Merci, Frédéric. Hop, 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 hop. Je vais pas vous laisser parcourir la station comme ça. Je veux garder un œil sur ce petit con. Oh non, mais non, non, tu vas encore être relou et me parler de Space Formule 1 tout le temps. C'est ça ou tu retournes en cellule. Ah ouais, donc j'ai pas le choix, en fait. Non. Maintenant, dis-nous ce que tu sais sur la mafia Strangozzi. Oh. Ouais, bon, j'avais une piste. Un homme de main, pas grand-chose. Il s'appelle Guy. Il joue demain à la finale de la Ligue. Oh non. Vous le connaissez ? C'est mon ex. Votre ex ? Tiens, tiens, tiens. En voilà des révélations intéressantes. C'est donc ainsi que Frédéric reprend du service, mais comme détective privé, avec des compagnons plus qu'intéressants, une star de la K-pop et un vieux mentor. Que pourra-t-il donc se passer sur cette obscure station ? Vous le saurez en écoutant la suite de Valhalla.